شايف كويس جدا ان هو مش بروفيشنال يعني. Pourquoi vous insistez à faire jouer Geraldo, bien qu'il n'était pas bien, comme vous voyez, il n'est pas un joueur professionnel, il ne joue pas comme il faut. Il n'a pas joué un bon match. Alors, d'abord, je critique. D'abord, je critique pas un joueur en public, hein, parce que je parle très souvent de toute l'équipe. Et après. Oui, peut-être il a des actions qui n'ont pas vous plu, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça que vous avez dit, parce que il a aussi ses qualités, mais peut-être il n'est pas très efficace, hein, qui concerne le jeu offensif, mais je ne suis pas d'accord parce que pour moi c'est tout le temps toute l'équipe qui gagne et qui perd. هو بيقول لحقيقتك بالنسبه للانتقاد لجيرالدو انا ما ينفعش انتقد اللعيب بتاعي قدام الناس، دي حاجه بحتفظ بيها بيني وبين اللاعبين، انا بتكلم على اللاعبين بشكل عام بس ما بحبش انتقد. هو اللاعب النهارده يمكن النهارده ما كانش احسن اداء عنده، يمكن في بعض اللعبات ما كانش موفق فيها، كان في قصور شويه في الدور الهجومي، بس هو ليه مميزات برده، ليه مميزات وليه عيوب، فهو ما يحبش يعني يوجهه نقده قدام الناس، بيحب يحتفظ بيها جوه الفريق. Je ne sais pas, concernant le match, concernant la décision de la CAF de reporter le match, maintenant on voit le club a commencé à évoluer, le même jeu que avant le Corona, on joue bien, et est-ce que la décision de reporter la date du match aller-retour de la demi-finale, c'est en faveur du club ou bien c'est un panique? Ça je ne peux pas dire, hein. Peut-être je peux répondre ça après le match, si on sait le résultat. Mais oui, toutes les choses comme ça, je répète tout le temps la même chose. Des choses qu'on ne peut pas changer, il faut accepter. Alors maintenant, il faut faire le planning pour les matchs qu'ils ont remportés. Mais c'est aussi clair qu'une équipe a besoin de nouveau un peu du temps pour avoir de nouveau le même niveau comme l'équipe a eu avant la pause de Corona. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est logique. بيقول لحياتك طبعا ما اقدرش اقول لك يعني ما اقدرش اقول لك ان هيبقى حاجه زي كده في صالحنا او لا التاجيل غير بعد الماتش ما نلعب ونعرف النتيجه شكلها ايه. انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات اللي ما اقدرش اغير فيها او ما بقاش ليا يعني تاثير فيها، انا بقبل الوضع زي ما هو، انا بعمل البلاننج بتاع بعمل التخطيط بتاعنا على المعطيات الموجوده على الظروف الموجوده، وانا شايف الوقت تاجيل الوقت ده برده ممكن يكون ليه جانب ايجابي بالنسبه لنا عشان نسترجع مستوانا اللي كنا عليه قبل الايقاف بتاع فتره الايقاف بتاعت الكورونا. Pour fixer pour la victoire d'aujourd'hui. Il reste 3 points pour remporter le jeu. بعد حسم الدوري. Il reste un seul match, 3 points pour remporter le titre. Est-ce que si vous remportez le titre, les prochains matchs, est-ce que vous pouvez aligner, donner chance à des joueurs juniors comme Chokri Arabi ou bien les joueurs qui ne prennent pas de temps de jeu peuvent prendre du temps de jeu si vous avez remporté déjà le championnat? Comment je peux vous dire quelque chose comme ça aujourd'hui, hein? Alors moi je fais la composition tout le temps en jour qu'on va jouer le match. Et moi je ne fais pas des cadeaux, hein. Je vais aussi aligner des jeunes joueurs, ça c'est clair. On a aussi encore des autres matchs après le match de lundi. Mais d'abord tout, c'est le but de gagner le match lundi et de remporter le titre. بيقول لحياتك طبعا حاجه زي كده ما اقدرش اقول لك عليها من دلوقتي، انا كل ماتش بحط تشكيله على حسب المباراه مباراه بمباراه، ومش هحب اعمل هدايا للفرق اللي هلاعبها حتى لو حسمت اللقب. دلوقتي احنا تركيزنا كله في يوم الاثنين، الماتش يوم الاثنين الجاي قدام الاتحاد السكندري، ان احنا نفوز ونحسب اللقب. بس يا فندم شكرا.